Toute une région commandée par la forteresse du chevalier Huvelin est menacée. L'émir Zergueil a rompu la trêve. Le roi Foulque a dépêché Thibaut vers la forteresse. Oh. J'en étais sûr. Depuis quelques jours, l'émir Zergueil tient de petites patrouilles cachées au pied de la forteresse franque en avant-poste pour épier. Ils ne sont que trois, faisons face. Non, aujourd'hui nous sommes messagers, pas combattants. Charge-toi du message du roi, je les arrête. Trois Turcs contre Blanchot, c'est juste la bonne mesure. Ne t'inquiète pas et galope. Hey. Ordre de Blanchot. J'y vais. Rendez-vous à la forteresse. Je t'apporte un message du roi Foulque. Où as-tu laissé Blanchot? À quelques lieues derrière moi, avec des Turcs qui nous poursuivaient. Il les a interceptés pour couvrir mon chemin. Ils étaient plusieurs contre lui? Oh, ils étaient trois, mais tu le connais. Trois ne lui font pas peur. Car je sais votre loyauté et votre courage. D'ici 10 jours, vous recevrez mes renforts. Il m'est impossible de faire plus vite. D'ici là, vous tiendrez, comme vous avez déjà tenu, Foulque. 10 jours. Ici, une garnison presque vide. Dans le camp ennemi, une poignée d'hommes également. Nul doute qu'eux aussi attendent des renforts. Alors c'est la trêve. Et le premier qui sera renforcé attaquera. Comment allons-nous passer ces 10 jours? Fais sceller mon cheval. Merci, mes amis. Approche. Maintenant, nous causons. Volontiers, seigneur. Faire la conversation est mon occupation favorite. J'entends avec une aimable compagnie. Qui est l'homme au manteau blanc? Thibaut, mon chevalier. Thibaut, fils de Renaud. Vous savez que son père déjà... D'où veniez-vous? De chez notre roi Foulque. Vous savez, madame, à Jérusalem, à la cour. Où alliez-vous? À la forteresse franque du chevalier Huvelin. Tu me demandes de parler, tu me coupes sans cesse. Tu ne me dis que ce que je sais. La suite va t'intéresser davantage. Nous apportions un message de notre roi Foulque. Verbal ou écrit? Ben, je jouais avec ces deux-là. Et Thibault l'a porté à Huvelin. Un message touchant la conduite de la guerre. Touchant la conduite de la guerre. Le contenu de ce message. Le contenu? Oui. Je ne sais pas. J'ouvre pas la correspondance d'autrui. C'est une question de savoir vivre. Demande toujours ce qui m'est impossible. Impertinent! N'insiste pas, j'ai des raideurs dans les rotules. Qui m'a jamais parlé sur ce ton? Hé, hey, tu es furieux, je le comprends, qui puis-je faire? Quand même, je voudrais parler, je te le dis, je ne sais rien! Quand tu me feras hacher jusqu'aux os, que même je serai un traître né, et même tu m'offrirais la lune et la liberté, quand ce serait pour les beaux yeux de cette jeune femme, non, je peux rien. Me voilà héros malgré moi! Situation ridicule, la deuxième dans la journée. Beau spectacle à donner une jeune personne. J'ai pu lui en offrir un autre. Celui de te voir fouetter. Du moment qu'il s'agit de divertir madame. Mais je serai à ta place. Il me semble que pour elle, je trouverai des passe-temps plus doux. Impudent. À genoux! Arrière! À genoux devant la beauté. Non! Non, je ne le supporterai pas. Oh, non, je ne veux pas. Calme-toi. Mais je t'en supplie. Oh, pour l'amour de moi. Tu vas aller m'attendre dans ta tente.
Viens avec moi. Ne me quitte pas. Je t'en prie. Bien. À plus tard. Vous n'aviez jamais entendu parler du charme latin? En supposant qu'il l'ait tué, il n'avait aucune raison d'emporter son cadavre. J'en suis d'accord, il est prisonnier. Alors il est certain qu'il s'échappera. Pourquoi certain? Parce que c'est comme ça, parce que j'en suis persuadé, parce que... parce qu'il a toujours eu de la chance. L'insolence. Comment t'appelles-tu? Layla. Va vite. Layla, te reverrai jamais. Qui peut savoir? Merci, Layla. Je trouve que cette escapade nous a rendu un Blanchot rajeuni de 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour l'insolence. Séducteur. Eh oui. Et quel était son âge, elle, dans les 50? Uvelin, il te l'a dit. La jeunesse en sa fleur. J'avais oublié. Jeunes gens, à votre avis, quelle est la qualité qu'une femme jeune, belle et d'un caractère romanesque peut priser le mieux chez un mâle? La sobriété. La modestie. Vous êtes des enfants. Si nous la revoyons un jour, nous le lui demanderons ensemble. Peut-être s'est-elle déjà échappée pour venir te rejoindre. Qui peut savoir? Tu nous quittes déjà? Je me désintéresse de la conversation. Tu vas rêver à ta belle? Non. Je vais dormir. Un cavalier, là-bas. Mais c'est une femme. On dirait une femme arabe. Relevez la herse. Messire Blanchot, quelqu'un est là qui vous demande. Layla! Seigneur chevalier franc, je vous demande asile. Ceux de mon sang veulent ma mort. Ma libératrice. Bienvenue à toi. Bienvenue. Uvelin, celui qui voyait en toi une sorcière. Thibaut, qui croyait à toi comme à un rêve que j'avais fait. Je serais moins qu'un rêve à cette heure si je n'avais par chance échappé aux gardes de Sergueï. Vraiment? Tu serais morte? Morte, exécutée. J'ai dû avouer que j'étais la cause de ton évasion. Avouer? Sous les sévices. Voyez. Battre les femmes jusqu'au sang. Quelle... Viens, Layla. Blanchot va te faire soigner. Je vais aussi tâcher de te trouver des vêtements. Merci de votre compassion, mes seigneurs. En échange, voici une révélation qui intéresse votre sauvegarde. Des renforts pour Sergueï sont attendus demain. Demain, vers la 7e heure, ils passeront à une lieue d'ici, par le défilé. Merci à Dieu, si ma forteresse en ce moment n'est pas très garnie en troupes. Par contre, elle est assez bien fournie en gibier. Notre jeune beauté montre peu d'appétit. Pardonnez-moi. Je devrais être tout à l'enchantement. Enchantement de quoi? D'être ici, seule femme pour trois hommes. Au repas de Sergueï, c'est lui qui est seul homme et nous sommes trois femmes autour de lui. Vous serez bientôt faite aux coutumes franques. À la condition que j'en ai le temps. Vous serez peut-être exterminée et moi avec vous. Alors, buvons double! J'ai bien compris la situation.
Votre seule chance est d'attaquer ces renforts dès demain, avant qu'ils aient pu faire leur jonction avec nos troupes. Nos troupes? Les troupes de Zergaïev, je veux dire. Est-ce l'habitude que les femmes participent aux conversations stratégiques dans les armées turques? C'est par pur égoïsme. Ma sécurité est liée avec votre action maintenant. Vous ai-je précisé que... ils vont passer sans doute par le défilé rocheux. C'est le seul endroit dans toute la région où une colonne montée peut cheminer à couvert. Je crois que nous pourrons reprendre cette conversation plus tard. La coutume franque veut qu'en la présence d'une femme, les propos échangés soient de plus aimable nature. Le jour est à la guerre et la nuit à la courtoisie. N'est-ce pas? Jouons à transformer la forteresse en cour d'amour. Ne parle pas la bouche pleine. Bien dit. Il y a 3 jours, quand je te prenais encore pour un rêve de Blanchot, il nous avait promis, si nous avions le bonheur de te rencontrer, de te faire dire la qualité que tu apprécies le plus chez un homme. Mais c'est une question très intime. Une femme ne pourrait répondre à cela qu'en particulier. Je suggère une promenade. La qualité sur quoi je juge le mieux un homme. Oh, je crois que c'est sur son adresse à cheval. Voyez-vous, il y a dans les rapports du cavalier avec sa monture... Enfin, l'attitude d'un homme à cheval trahit toujours la façon dont il se conduit avec les femmes. On nous délaisse pour nous rendre jaloux, peut-être. Peut-être. J'en ai pas l'air de t'étonner. Ce qui m'étonne surtout, c'est qu'elle nous suggère un plan d'action militaire. Ce qui veut dire? Hein? Non, rien. Mais enfin, elle a pris des risques pour me délivrer. Elle-même a été fouettée jusqu'au sang. Oui, dans le dos. Quoi dans le dos? Les coups de fouet, ça fait mal partout. Moi, je le sais, j'en ai reçu. On peut supporter les coups quand on veut servir une cause. J'aimerais te voir monter à cheval, messieurs Huvelin. Peut-être demain, si Thibault veut bien nous laisser prendre la décision d'attaquer. Alors, elle t'a dit sa qualité préférée? Oui, mais c'est un secret. Je le sais déjà. C'est l'insolence. Ma qualité préférée chez un homme, c'est la loyauté. Et chez une femme? Ne te méprends pas à ce que je fais, chevalier. Ce n'est pas que j'aime les chefs francs. C'est que je hais Zergaï. Prenons-en la chance. Si nous arrivons aujourd'hui à couper Zergaï de ses alliés, le temps qu'ils rétablissent la liaison, nos renforts seront déjà en marche. Je répète que réduire la garnison de la forteresse ce matin est une folie. Les guetteurs de Zergaï sont postés jusque sous nos murs. Ils le préviendront immédiatement. Qui te dit que Zergaï n'est pas cantonné à portée de la forteresse, n'attendant qu'un signal? En bref, tu croises un piège. À vous. Je ne sais pas, au juste. Je ne veux pas prendre de risques. D'abord, nous pourrions vérifier que ces renforts existent. Il veut sortir lui seul en éclaireur, pour s'assurer que les renforts sont bien en marche. S'il les aperçoit, il revient aussitôt et de loin, il agitera un étendard. Alors seulement la garnison sortira de la forteresse. Et toi, cette méfiance ne t'indigne pas? C'est seulement une mesure à la fois efficace et prudente. Et l'injure pour moi, tu y penses? Austin et Thibault, que puis-je faire pour gagner ta confiance? Dis-le. Faudra-t-il que je me batte à vos côtés comme un homme? Pour qu'enfin lui me croie? Je ne te crois pas fausse, Laila. Je prends seulement une assurance. Tant que vous ne me voyez pas agiter cette bannière ostensiblement, vous ne quittez pas la forteresse. Je vais avec lui. Tu es folle? Je voudrais voir la tête qu'il fera quand il verra que mes renseignements étaient exacts. Thank you.
Les voilà. Tu es très en colère? Essaie de me comprendre. Si j'ai refusé de te croire aveuglément, n'en sois pas en français. Je n'ai fait que suivre un principe. Un principe? Un principe. Tu es bien un chevalier franc. S'il n'y avait que ma vie en jeu, je renoncerais au principe. Mais je ne veux pas risquer celle des autres pour un sentiment. Un sentiment? Cela s'appelle ainsi. Laila, tu nous as trompés. Oui, je vous ai trompés. Ce ne sont pas les renforts, n'est-ce pas? Non. Ce n'est qu'un petit détachement qui devait vous faire courir à sa suite dans le défilé. Le reste de l'armée est massé à portée de la citadelle. Pourquoi se baiser, alors? Est-ce que je sais? Ah, c'est tellement compliqué, une femme. Pardonne-moi, Thibault. J'avais juré à Zergay de lui donner la forteresse des garnis, d'attirer les soldats francs dans un catapan. J'avais juré. C'est beaucoup de dérangement pour un seul homme. Attends, Zergay, je n'ai pas encore joué toute ma partie. Qu'on lui enlève son manteau. Enlève son manteau. Si je ne gagne pas cette fois, je demande que tu me fouettes pour de bon. Si tu ne gagnes pas cette fois, ce sera pire. Chevalier, tu as encore beaucoup à apprendre des femmes. La loyauté, par exemple. Non, la ruse. Il ne te manque que la ruse pour être tout à fait un bon guerrier. Grâce à cette bannière, j'attire ici la garnison. Elle est peu nombreuse, à vous de l'exterminer. Après quoi, vous donnez assaut à une forteresse qui sera vide. Elle a raison, chevalier. La guerre, en effet, ce n'est pas la loyauté. C'est la ruse. J'entends la leçon, mais un peu tard. Maître, il vient de mourir. Celui-ci était Mokhtar, le chef de ma garde. Ta capture me coûte cher. Cela aussi, c'est la guerre. C'est juste. Il était ton ami? Il m'a sauvé la vie 10 fois. Il était brave? Ton égal. Regarde. Quelle chose étrange. Quelle chose étrange. Cet homme que je viens de tuer va changer mon destin. Ne bouge pas! Ne bougez pas ou votre chef est mort! 30 pas en arrière!
reculez encore! La ruse, Zergueï. Tu vois que la leçon n'aura pas été vaine. Revenez, vite! Le chevalier Thibault. Le signal. Ansel, regardez, regardez. Attention, Thibault. Tu ne t'es pas souvenu qu'il y avait des avant-postes? Comment as-tu échappé? Tu les as tous tués. Un seulement. Mais ce n'est pas Zergueï. Et moi aussi, je vais mourir. Non, je ne crois pas. Ta blessure est légère, ne t'inquiète pas. Je vais te faire soigner. Oh, tu es bon. Thibault, vois-tu, je crois bien que la qualité que je préfère chez un homme... Chut.